d'une vidéo coup de gueule. Poulainbeer, je te déteste. Alors aujourd'hui, une vidéo coup de gueule. Bon, vous verrez, je sais pas trop m'énerver, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Il y a quelques jours de cela, on a offert à mon fils un pantalon de chez Poulainbeer. Pantalon très joli, je n'ai rien à dire sur le pantalon. Vous voyez, c'est un jean, magnifique, couleur superbe. Bon, rien à dire sur le pantalon, belle qualité, exactement ce qu'il aime. Sauf que, ben voilà, c'est du 36 et il lui fallait la taille au-dessus. Le problème, c'est que le pantalon a été acheté à Marseille il y a maintenant un peu plus d'un mois. J'avais des difficultés à aller l'échanger car le premier magasin Poulainbeer n'est pas à côté de chez moi, mais à 25 km de chez moi. Je ne sais pas vous, mais je travaille, je ne vais pas tous les jours à Cannes, j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai dépassé le délai de 1 mois et 3 jours à ce jour. Ceci dit, il y a quelques jours de cela, juste avant la fin du délai, j'ai écrit par mail à Poulainbeer en leur demandant s'il y avait un autre moyen de changer le pantalon, par exemple en leur renvoyant le pantalon. À cela, ils me répondent avec un petit délai et ils me disent que ce n'est pas possible, le pantalon ayant été acheté en magasin, il fallait le retourner en magasin. Je réponds aussitôt en leur demandant quel est le délai pour un retour en magasin car ce délai n'est pas noté sur le ticket de caisse. Et là, on me dit c'est un mois, sauf qu'on était le 12 et le ticket datait du 12 mai. Donc c'était déjà trop tard puisqu'on était le soir du 12 juin et donc il était trop tard pour amener ce pantalon. Aujourd'hui, je devais me rendre pour faire du shopping dans la zone commerciale de Polygon Riviera. Je vous montrerai ça sur la carte. Et donc je me suis dit, bon, j'ai peut-être essayé de changer la taille. Je ne demande même pas un remboursement. Je demande juste qu'on puisse échanger pour avoir la bonne taille de pantalon. Et là, je tombe sur une nana désagréable. Mais madame, ce n'est pas possible. Vous ne vous rendez pas compte. Vous avez dépassé le délai. On ne peut pas changer le pantalon. Ok. Je veux bien comprendre, mais enfin bon, c'est un mois et trois jours. Je sais, j'ai dépassé le délai. C'était un cadeau. J'ai pas pu faire comme je voulais. J'aurais bien aimé venir avant, mais le premier magasin est à 25 km. Elle ne veut rien entendre. À peine aimable, très très sèche. Et là, elle me dit, madame, de toute façon, c'est comme ça, il faut se conformer aux règles, il y a une procédure, il faut la respecter, c'est un mois, et point barre. Je dis, mais madame, le pantalon, je l'ai acheté chez vous, regardez, il n'a même pas été, il a été juste essayé, il n'a pas été porté, il y a toutes les étiquettes, enfin, c'est pas comme si j'essayais de gruger. Je ne demandais même pas un remboursement, je demandais juste d'avoir un pantalon à la bonne taille. Eh bien non, elle n'a rien voulu entendre, désagréable. Ça, c'est une pratique commerciale dans notre temps, je dirais. Et encore, vous allez dans n'importe quel magasin avec des gens normaux, on vous propose au minimum un échange. Je sais, le délai était dépassé, je suis fautive. Mais Poulainbeer, non, ça, c'est pas une politique qui est correcte. Mettez des gens avec un peu de jugeote, avec un cerveau, vous voyez. Essayez de garder vos clients, parce que là, Poulainbeer, j'ai deux ados à habiller, ils adorent Poulainbeer. Et bien maintenant, ça sera boycott de Poulainbeer. Ouais. Ça sera comme ça chez moi. Parce qu'après tout, quand pour un mois et trois jours, on vous dit, ben, vous allez vous coller le pantalon et perdre 20 euros, je suis désolée, mais moi, j'y vais plus. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. J'avais envie de le dire. Vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez ici dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis sur le sujet. Je sais, un mois et trois jours. Ok, voilà. J'espère que cette petite vidéo coup de gueule vous aura plu. Dites-le dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Ok, Poulainbeer, ça serait plutôt pouce comme ça, hein. Mais pour ma petite vidéo coup de gueule, petit pouce en l'air. Abonnez-vous et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, mais aussi des lives du vendredi soir. Vous serez prévenu une heure avant le live que le live va commencer. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, vidéo de la miniature, voyez Poulainbeer, boycott. J'espère qu'il y en a qui feront pareil ici, boycott. Parce que franchement, un mois et trois jours après, on vous envoie balader. Et encore, si on le faisait gentiment, ça pourrait presque passer, bien que. On a offert à mon fils un pantalon, j'ai le ticket de caisse, n'est-ce pas? On voit bien que le pantalon n'a pas été acheté ici, il a été acheté à 200 km d'ici, c'est un cadeau. Elle n'a rien voulu entendre. Rien que pour ça, pouce en bas pour Poulainbeer. Non, pour moi, vous mettez des pouces en l'air. Allez, ciao!